Wesh les potos, bienvenue sur ma chaîne YouTube, c'est Soikoolou Mikey. Aujourd'hui je vais vous présenter une vidéo sur Call of Duty Black Ops 4 à propos de la 7ème étape du secret de la map Alpha Omega. Alors quand vous avez réallumé le courant, allez parler à l'ordinateur Rushmore. Quand ceci est fait, des mannequins apparaîtront dans la map avec une lueur bleue autour d'elle. Alors vous allez devoir trouver 3 mannequins au total. Par contre, le mannequin apparaît à un endroit après l'autre. Les emplacements de ce mannequin sont à l'arrière de la maison verte, à l'arrière de la maison jaune, à l'arrière de la maison brune, à l'arrière de la maison centre de détention, dans la cafétéria dans le bunker et dans le salon qui se trouve dans le bunker aussi. Allez checker dans ces 6 emplacements pour trouver le mannequin. De toute façon, vous ne pouvez pas le louper, il y a une grosse lumière bleue qui illumine à l'intérieur de ce robot. Quand vous l'aurez trouvé, vous devez tous être au même endroit pour actionner ce mannequin. À ce moment-là, vous allez devoir survivre un certain temps jusqu'à temps que le mannequin explose. Quand il a explosé, vous allez devoir récupérer une pièce qu'il a laissée tomber. Vous allez devoir récupérer 2 bras et une tête au total. C'est pour ça que vous allez devoir trouver 3 mannequins à défendre. Quand vous avez récupéré les 3 pièces de mannequin, allez les apporter à l'interrogatoire PA. Il y aura un siège avec un mannequin justement qui lui manque 2 bras et une tête. Appuyez sur carré pour placer les 3 morceaux de mannequin manquants. Et voilà qui termine cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura été utile. Si c'est le cas, n'hésitez surtout pas à liker, à partager et à vous abonner si ce n'est pas encore déjà fait. Et sur ce, je vous dis à très bientôt pour plus de vidéos, c'était Soikoolou Mec et ciao. Peace.